Salut les amis! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Nana Coco, petite sorcière de la Grande Terre, écrite par Claudine Jacques et illustrée par Joseph John. Une vieille femme choisit Nana Coco pour lui succéder comme sorcière. Mais avant de pouvoir entrer dans la grotte sacrée, Nana Coco doit rassembler de nombreux objets. Une grand-mère est là qui boit du thé auprès du feu. « Tu as été choisie, » lui dit la vieille dame, « pour me succéder. Je dois te transmettre mes pouvoirs de sorcière. Demain, tu me rejoindras dans la grotte sacrée avec le collier du savoir, la plante qui guérit, le balai des voyages et les plumes du rêve. Dors maintenant. » C'est le moment d'apprendre à signer les trois mots tirés de cette histoire. Tout d'abord, Coco. Coco. Maintenant, collier. Collier. Et enfin, plume. Plume. À bientôt pour d'autres belles histoires.